J'ai passé 24 heures dans la peau de Luffy et il s'est passé des dingueries. Non, non, reviens. Oh la bête. Alvitanic. Filme juste, c'est pour faire une... Vous avez pas le droit, il faut faire des autorisations pour filmer ici. Oui. Bon bah, on y va. Bon, j'ai déjà les éléments principaux, maintenant il me manque juste la tenue et... Comment? De quoi? Pourquoi je suis assis sur la voiture? C'est simplement parce que j'ai oublié les clés dans le studio juste ici. On y va. Du coup les refs, on se retrouve directement devant Primark pour pouvoir trouver un outfit de Luffy bien guesmerguez. C'est parti, let's go. On se dirige direction le rayon des hommes pour essayer de trouver la chemise de Luffy. Et il me faut aussi un short en jean. Parce que du coup, j'ai pas de short. Soit je vais prendre un short, soit je vais prendre une sorte de maillot bleu ou quoi pour être à l'aise pour pouvoir courir. Parce que Luffy court les refs. Il y a un univers où je prends juste un t-shirt rouge et je le coupe ici au milieu, genre un truc pas ça du tout. C'est où les chemises? C'est là les chemises, non? C'est pas là les chemises? Bonjour. Je veux savoir, vous êtes quoi? Vous êtes dans un endroit privé là. Ah bon, c'est pas public ici? Non. Ah, on filme juste, c'est pour faire une... Vous avez pas le droit, il faut faire des autorisations pour filmer ici, oui. Ah bon? Même si on floute les gens et tout ça? Oui, même. Parce qu'il me semble que si on floute les gens, il n'y a pas de souci. Mais il faut une autorisation pour ça. Wesh les refs, il y a un rassemblement de la marine en bas. C'est quoi ce qu'ils sont en train de faire? C'est une réunion post-guerre ou c'est comment? C'est là-bas, je crois. Ok les refs, du coup, on a fait tous les achats. J'ai la tenue de Luffy, elle est juste ici, avec le petit chapeau et tout ça. Un petit claquement de doigts et je suis changé et prêt à être en tenue de Luffy. Du coup les refs, c'est parti, je pense qu'on est validé en Luffy. J'ai les petites tatanes juste ici pour tout à l'heure. Là, je vais conduire, donc je reste avec mes chaussures. Et c'est parti, let's go. Ça, c'est le navire de Big Mom, là. Hein. Ah non, comment il s'appelle, celle qui bat dans l'épisode 1, là? Alvida. C'est l'équipe Alvida, là. Alvida, nique ta mère. Wow, du coup, les refs, on se retrouve devant le QG. En fait, on est chez Glénat. Pourquoi chez Glénat? C'est eux qui dit One Piece. Let's go, on va les envahir carrément. On part sur le premier échec parce que je peux pas filmer dedans. Maintenant, les refs, ce qu'il va nous falloir, c'est trouver un bateau. Parce que c'est quand même important, un bateau et un équipage. Faut les deux. Donc on va essayer de trouver des gens pour un équipage et un bateau. Du coup, bah, on se retrouve devant le magnifique lac pour trouver un bateau. T'es bon, on est arrivé devant le chantier naval. Regardez-moi tous les bateaux. Je vais choisir un bateau là, les refs. Carrément, je vais prendre Cécile peut-être. Peut-être que je vais prendre Gaston. Peut-être Zoro. Oh, il y a Zoro carrément. Il y a Zoro. On va prendre Zoro, frérot. Vas-y, let's go. On va chercher le bateau. Bon, il va falloir que j'aille chercher des berries parce que pour acheter un bateau, il faut des berries, les refs. Du coup, on va aller de suite vers l'escargophone qui nous permet de retirer les berries. C'est logique. Let's go. C'est par ici, je crois. À votre avis, derrière quel arbre est-ce que je suis caché? C'est pour les berries, c'est pas pour moi. Du coup, c'est parti, on a la petite barque de Hercule. Alors, c'est quand même un très beau bateau, on voit, hein, c'est un double rame. Très très connu, ça, double rame avec hélice chevronnée. Sur l'avant, magnifique petite chaîne. Je pense que normalement, ça devrait le faire. Bah, c'est parti, let's go. Hein. Non, non, reviens. Oh la bat. Bon, c'est parti, maintenant qu'on a le bateau, on va chercher Nami, on va chercher un équipage, s'il y a des gens qui veulent faire partie de notre équipage. Là, j'ai pas l'impression qu'il y a grand monde, hein, les refs. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a Banclé là-bas. Regarde, il y a Banclé, c'est Banclé ça là-bas. Bon, les refs, Sam, il est en train de faire le pédalage. C'est parti. Ah, putain, putain, ça. On veut vous recruter dans notre bateau. On veut vous recruter. Si, 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 il faut que vous faites pour nous, là. C'est l'heure de la petite sieste. Après l'effort, le réconfort. Ok les refs, maintenant qu'on a réussi à trouver plus ou moins notre équipage, qu'on a réussi à trouver notre magnifique bateau, on va aller... Il est l'heure de manger là, on y va, tout de suite. Bon, comme c'est Ilia, je suis un très grand fan de sandwich, c'est le meilleur personnage de One Piece. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une recette. Ok. Et qu'est-ce que Luffy adore? C'est quoi sa nourriture préférée? Moi je vois du poulet, je vois des œufs, je vois de la panure, ouais. Je vois des épices, mon ref. On va faire la viande préférée de Luffy. Je suis à la viande qui mange tout le temps, genre c'est qui donne très, des forces. Elle est stylée. Hein. C'est vrai que c'est stylé de fou, malade mental. Hein. Ouais. Ok, c'est parti. Bah toi tu me dis ce qu'il faut faire et moi je fais. Ok, déjà. On a besoin de poulet, de ce que je vois. 4 pilons, bah on en a. Alors on en a que 2 parce qu'on est 2 du coup. Du coup 2 œufs durs, 30 grammes de panure. Une cuillère de sel. C'est du sel ça, frérot? Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai déjà fait cette recette. Donc c'est-à-dire que je sais les étapes, mais je vais pas t'aider. Okay. Du coup,
Avec des ciseaux de cuisine, détacher et retourner la viande d'épilant pour former une tulipe. Bon les refs, je passe en accéléré en voix off parce qu'honnêtement c'était très long, très chiant à faire et surtout ultra crados. Fallait couper tout le poulet, enlever tout ça de l'os et honnêtement c'était vraiment pas fifou fifou. Ça il a réussi à ça, faire la première étape, c'est juste ça. Ça du coup là, ce qu'il faut faire du coup, tu casses un œuf. Non, non, qui t'a dit ça? Juste, frérot, ouais. faut pas casser un œuf. Ok. C'est toi qui a dit faut casser un œuf. J'ai jamais dit ça, c'était okay, pour moi. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Du coup, il faut Attends, parce qu'ils aiment trop faire. Faut faire cuire l'œuf, non? C'est plus. Ah, faut en faire un œuf dur, en fait. Ok, donc on va attendre que l'eau se chauffe et on va faire bouillir l'œuf. Ouais. Et on va le mettre double cam, pas mal. Hein. Et Blanco, j'ai une question. Est-ce qu'on met d'abord. C'est d'abord l'œuf ou la poule qui a été créée? C'est la poule avant. Ok. Bah, c'est logique. Je sais pas, je me pose juste une question, après vous faites ce que vous voulez. Non, c'est pas logique, frérot. Bah, pourquoi ça serait la poule? En quoi c'est logique? C'est un œuf qui se transforme en poule. L'œuf est sorti de l'espace. Bah. Alors que la poule, c'est l'évolution. Un jour, il y a eu un animal qui s'appelait un œuf, c'était une poule. Oui, mais. Ah, c'est-à-dire, c'est une... vient d'un œuf, du coup. Bah, non, c'était une poule. Bah, non, parce que t'as dit, elle vient d'un œuf. Mais un alligator ne fait pas une poule. Mais elle, ça sort de. Oui, mais l'œuf, il fait la poule. Mais l'œuf est forcément venu d'une poule. Il n'a pas pu venir. Ok, mais la poule, elle vient comment? Non, mais un jour, c'est genre un mammifère donc qui fait des bébés, pas des œufs. Il est con. Qui a fait un bébé poule. Mais ce mammifère, à la base, il vient d'où? Dieu existe, bien joué. Merci Sam. Bon, la suite de la recette, c'était de piler l'œuf une fois qu'on l'avait fait concrètement cuire. Et ensuite de ça, il fallait rentrer le bout de l'os dans l'œuf, couper un petit peu tout le poulet en petits morceaux. En fait, il fallait le hacher. Alors, j'avais un couteau qui était tout petit, donc c'était vraiment la giga galère de réussir à faire ça. Ensuite, il fallait mélanger tout ça à un œuf pour essayer de faire une sorte de pâte. Et rajouter enfin la panure pour faire une pâte hein, qu'il fallait mettre au-dessus de l'œuf et de l'os pour faire une sorte de... De dos, œuf, enfin bref, je sais pas trop, mais ça ressemble à ça. Appelez-moi Sanji et tu best. Petit flop. Y'a pas une bruit, j'ai trop le seum. Les refs, c'est censé ressembler à ça, et regardez! En vrai de vrai! Carrément, j'ai même plus besoin de Sanji en vrai. J'ai juste besoin de Luffy, c'est tout, hein, on est. Comme ça, les refs. Bon, les refs, je pense que c'est cuit. Sanji, est-ce qu'on est. Enfin, on est good, on est. Franchement, pas mal. C'est bien débrouillé pour un mec. Ah mon garçon, on va débarrasser ça. Ok, mais juste, moi, est-ce que tu pourrais me goûter s'il te plaît? Ouais, on va goûter juste, on va attendre que ça se refroidisse un peu parce que okay. C'est quand même très tu chaud. Tu goûteras du coup? Ouais, je goûte. Je vais goûter juste après, dès que ça refroidit et je goûte les refs parce que ça a l'air d'être vraiment carré. Maintenant. Ok, les refs, ça a un peu refroidi. Du coup, on va goûter ce mets magnifique que Sandy nous a préparé. Bah alors, les bouffons. Mou Bon les refs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, en tout cas moi j'ai kiffé l'affaire. N'hésite pas surtout à t'abonner, à liker et à mettre en commentaire quel personnage que tu veux que je fasse pour la prochaine fois. C'était Eliavu 24h en Luffy, bah je te dis à la prochaine, allez ciao.